Salut, alors moi c'est Ilona. Bonjour, je m'appelle Valentin. Bonjour, je m'appelle Maïwen, j'ai 24 ans. Alors moi c'est Robin. Bonjour, je m'appelle Amandine. J'ai travaillé pour la première fois en été, l'été 2021. Donc j'ai été ASH dans les hôpitaux psychiatriques. ASH, c'est agent des services hospitaliers. J'ai effectué un job d'été au sein du service Espace Vert de la ville de Champagne-sur-Oise lorsque j'avais 16 ans. Pour mes jobs d'été, j'ai toujours fait de l'intérim. Donc moi, c'était dans l'agence Manpower. J'ai travaillé pendant 2 mois à l'été 2018 dans un magasin Truffaut, dans un rayon textile. J'ai fait mon premier job d'été dans un centre de vaccination pendant 3 semaines en tant qu'hôtesse d'accueil. Donc ASH, mes missions, c'était de préparer les repas, de faire le ménage. Et aussi, j'ai pu jouer avec les patients, faire des activités avec eux. Et j'avais pour mission principale de m'occuper de l'entretien régulier des arbres, des buissons, du gazon, de la ville. C'est de la préparation de commandes, ils n'avaient que ça. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, c'est un peu toujours les mêmes missions. Ça peut être de l'étiquetage, ça peut être donc sur les chaînes où on fait des colis, des remplissages de commandes, de cartons. Je devais vendre des vêtements de différentes marques comme Armand Luxe. Et donc mon travail consistait à gérer la vente, encaisser les gens, gérer aussi l'inventaire, m'assurer qu'on manquait de rien dans les rayons et surtout aussi conseiller les clients tout au long de la journée. Mes missions, c'était d'accueillir des clients toute la journée devant l'ordinateur et ça fonctionnait sous forme de tickets. Et il y avait aussi toute une partie qui était l'encaissement en fait après que les personnes se soient faites vacciner. J'ai appris plein de choses sur la psychiatrie, l'équipe était super cool avec moi et c'était cool. C'était une expérience très positive car j'ai pu apprendre la rigueur et l'attitude à avoir dans le monde de l'entreprise. Voilà, l'avantage c'est que tu as des primes de précarité, vu que du coup des fois tu commences tôt, bon ça dépend toujours de tes horaires. Moi je sais que dans mon agence je pouvais appeler et dire que je voulais des horaires classiques, 8h, 16h, 17h. Voilà, donc c'était un job assez calme, pas trop de contraintes, pas très compliqué à faire. Deuxième point positif, on gagne de l'argent. Donc on peut payer, commencer à payer son permis, commencer à payer sa voiture. C'était mon premier job d'été et ça m'a permis de découvrir un peu le monde de l'entreprise. Donc on a un contrat, on est un salarié, un CDD et ça donne confiance et ça donne envie de continuer à travailler. Pas forcément dans le secteur où on est pour le job d'été, mais voilà, de s'intégrer dans le monde de l'entreprise.